La sociologie s'intéresse et s'est intéressée à toutes sortes d'aspects de la santé, de la maladie, notamment le fonctionnement des institutions de soins de santé et leur transformation. La sociologie a mis au jour aussi la dynamique de la relation entre soignants et soignés. Hein, il y a un rapport de force là-dedans, tout ça. Donc, comment ça s'établit, comment ça fonctionne, pourquoi un malade accepte de se dénuder devant le médecin. Avec le début de l'urbanisation, les problèmes d'hygiène à l'époque, les épidémies, la mortalité infantile, les médecins hygiénistes ont cherché dans le milieu social des moyens de pallier justement à ces épidémies-là. Donc, on a mis en place des systèmes d'égouts, pasteurisation du lait, on a fait des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour leur expliquer comment se transmettaient les microbes, là, etc. La sociologie aussi s'est intéressée à la manière dont les sociétés traitent ces malades, les sociétés traitent leurs malades. Comment aussi les facteurs sociaux tels que le sexe, la culture, le milieu socio-économique influencent la manière dont les gens perçoivent la santé et la maladie. Donc, comment aussi ces facteurs-là influencent l'adoption des habitudes de vie, donc bonnes ou mauvaises pour la santé. Ça veut dire que notre statut socio-économique détermine en très, très grande partie notre état de santé. Et d'ailleurs, si on regarde à Montréal en 2006, à Montréal, on est dans la même ville, à Hochelaga-Maisonneuve, l'espérance de vie est de 75 ans. Et dans l'ouest de l'île, il est autour de 84 ans. Donc, il y a 9 ans d'écart entre l'espérance de vie chez les citoyens de Montréal, dépendamment du quartier dans lequel ils habitent. Les maladies mentales ne sont pas reconnues de la même façon ailleurs dans le monde. Il y a même des maladies mentales qui existent en Amérique du Nord qui n'existent pas ailleurs et vice-versa. La culture va même teinter les problèmes de santé mentale. Donc, la détresse psychologique va prendre des chemins que la culture va avoir tracés. Donc, pourquoi est-ce que l'anorexie, on va voir beaucoup de cas d'anorexie, par exemple, en Amérique du Nord, dans les sociétés occidentales, ça n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, on va voir d'autres problèmes qui, ici, nous apparaissent complètement farfelus. Donc, c'est des problèmes névrotiques, par exemple, mais qui vont prendre des formes différentes selon les cultures. Ça, c'est complètement fascinant. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à la santé mentale, parce que ça aussi, c'est un sujet. Des fois, on se demande, mais santé mentale, c'est quoi le lien avec la sociologie? Tu sais, quand on a un problème de santé mentale, bon, c'est génétique ou. Donc, oui, la sociologie peut, ou même l'anthropologie aussi, parce que c'est des trucs qui peuvent intéresser aussi l'anthropologie, mais ça, je trouve ça complètement fascinant. Donc, comment est-ce qu'on départage ce qui est normal de ce qui ne l'est pas? Et ça, même le médecin, même le psychiatre est influencé par sa culture. À partir de quand est-ce qu'on va dire, oups, celui-là, ce patient-là, je pense qu'il y a un problème? Bien, c'est selon les normes sociales, qu'est-ce qu'on définit comme étant normal ou pas? Parce que la santé, en fait, c'est un des sujets dont on parle le plus dans les journaux. Ça préoccupe beaucoup les gens. Puis la santé, en fait, on en a tous une expérience, un peu comme la famille. Hein? Moi, quand je parle de famille dans mes cours, j'aime beaucoup ça parce qu'on en a tous une expérience personnelle, on a tous un rapport à notre santé, qu'on soit en santé ou malade.